Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Ignorance Reborn. L'un de ceux de cette vidéo se trouve s'abonner, cliquez là-dessus et activez la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo. Parce que cette vidéo va se faire en deux temps. Comme vous l'avez vu dans le titre, à quoi ressemble Dieu? À quoi ressemble Dieu? Ou à quoi? À quoi ressemble Dieu? Regarde autour de toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que Dieu ressemble à quelque chose que tu vois? Bon. À quoi ressemble Dieu? Moi, je vais tout simplement te ramener à la parole de Dieu qui nous dit que le Seigneur, notre Dieu, c'est-à-dire nous avons été créés à l'image de qui? À l'image de Dieu. Donc Dieu n'est pas loin de nous ressembler. Et deuxièmement, le Seigneur Jésus-Christ dit que Dieu a tout de lui. Ça veut dire qu'effectivement, ce que nous disons relativement à ça est vrai et que la parole de Dieu ne ment pas à ce niveau. Mais y a-t-il pas une différence? Assurément, il y a une différence entre Dieu et nous. C'est que c'est une personne qui est remplie de lumière, de gloire, de clarté, de tout ce que vous voulez. Mais waouh, Dieu, il reste toujours Dieu. Même si nous ressemblons juste à Dieu, si nous ressemblons à Dieu. Oui, il reste toujours Dieu. Il a tout de nous. Oui, il a des mains, il a des bras, il a des yeux, il a des oreilles. Mais il est dans la gloire totale. Lisez Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Là, le Seigneur Jésus-Christ amène sur certains gens pour voir réellement beaucoup de choses dans le monde de Dieu ou encore au ciel. Et vous saurez exactement ce qui se passe au ciel et ce qui se trame autour du trône de Dieu. Et vous verrez que Jean a vu que celui qui était assis sur le trône était rempli de lumière et d'éclat. Il brillait et il y avait quoi? Des éclairs autour de lui, des choses extraordinaires. C'est à ça que se ressemble notre Dieu. Si vous voulez voir le Seigneur, notre Dieu, je vous recommande d'accepter Jésus-Christ aujourd'hui, de vous abonner à la chaîne Ignorance Reborn, cliquez là-dessus, activez la cloche, suivez-nous pour qu'ensemble on garde notre vie jusqu'à la fin et que le Seigneur vienne nous emporte à la fin des temps, en enlèvement. Mes frères et sœurs, cette histoire est réelle et nous en parlerons dans la prochaine vidéo. À quoi ressemble Satan maintenant? Ça fera l'objet de la toute prochaine vidéo. Alors activez la cloche si ce n'est pas encore fait en dessous de cette vidéo et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ne serait pas.